I will be plus précisément dans le Washington. I will be Mama Marthe né. Mama Marthe né. I will be shop Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso. Il y a un Congolais. On est un Congolais. Narcisse Katompa, CEO de Narcix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narcix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face, deuxième numéro de la semaine. La question de la nationalité, l'état des sièges, continue à déranger le discours de Kagame, la position du président Félix Tshisekedi, notre position au Conseil de sécurité. Toutes ces questions-là vont être abordées au cours de cette émission, mais surtout la notion de la 4e République. Les gens en parlent suffisamment maintenant. Alors, un élan d'une nouvelle République commence finalement à prendre corps. On en parle avec l'un des précurseurs de cette idée, Maître Oscar Moubiaye, qui est avocat au barreau de Lille, mais aussi au barreau ici à Kinshasa, en RDC. Maître Oscar, comment allez-vous? Je vais bien, Monsieur Christian. Vous êtes en fin séjour. Vraiment en fin séjour. Je crois qu'on va faire un repli stratégique, ce qui pourra faire qu'on va disparaître un peu de votre plateau de manière très imminente. Alors, il y a l'actualité qui est très abondante et en même temps très dangereuse, c'est la question de la loi. Vous avez suivi la proposition de loi de Noël Tiani qui demande clairement l'exclusion de Congolais qui sont nés des parents ou d'un des parents étrangers. Et donc, pour lui, il faut que le parent, que celui qui sera président de la République ou le chef des corps, soit né des pères et des mères congolais. Quel est votre point de vue sur la question? Mais je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, comme vous l'avez dit, nous avons soutenu ce point de vue-là à notre temps. Et qu'aujourd'hui, nous sommes très heureux que Noël Tiani, dont la voix porte, puisse relancer ce débat qui existait déjà. Pour nous, nous sommes d'avis et que c'est une question de souveraineté d'un pays, que pour être président de la République, que l'on soit congolais, d'origine, de père et de mère congolais. Et ce n'est pas une innovation de M. Tiani, c'est que sous la Deuxième République, et cette disposition existait déjà. Maintenant, on vient avec des arguments. Là où c'est très intéressant, c'est un débat de société. Je ne suis pas d'accord avec certains leaders politiques qui estiment que c'est une bêtise. On ne peut pas, quand il s'agit, par exemple, du football, considérer que c'est une question importante, et quand il s'agit d'un débat national, et que l'on considère que c'est une bêtise. À ce moment-là,
si l'on est leader politique et qu'on n'arrive pas à cerner l'essentiel de l'accessoire, il y a problème. Alors, qu'est-ce que l'on doit comprendre finalement? Est-ce qu'aujourd'hui, cette loi, ça va nous faire reculer dans le passé ou cette loi est une loi futuriste? Non, mais ça ne nous fait pas reculer. Ça, vous savez, quand il faut avancer, il y a deux gens qui agitent la peur. Parce que ils vont voir leur intérêt, n'est-ce pas, mis en mal. En l'espèce, ceux qui ne sont pas Congolais sont ceux-là, soutenus par des Congolais qui sont au service parce que payés. Et ceux-là, les Congolais payés, eux soutiennent les non-Congolais pour qu'ils nous dirigent. On ne peut pas confier notre destin entre les mains des non-Congolais. Mais cette loi, elle est dangereuse parce que, selon certaines personnes, ça vise la division du Congo, ça vise l'éclatement. Il y en a même qui sont allés plus loin pour dire que c'est une loi irréfléchie qui peut entraîner le pays, qui peut mettre le pays à feu et à sang. Bon, écoutez, Monsieur Christian, vous êtes un juriste, c'est très exceptionnel. C'est pour cela que nous sommes très heureux d'être toujours en face de vous. Merci. Alors, en tant que juriste, je pense que pour une loi, le débat doit être juridique. Et comme c'est une loi d'importance capitale, on va faire appel à plusieurs notions transversales, anthropologiques, sociologiques, ainsi de suite. Alors, quand on veut attaquer cette loi-là, on nous amène quel débat dans le camp qui soutient cette loi. Bon, les constitutionnalistes, hein, parce que dans ce pays, il y a trop d'autoproclamations. Ok. Faites allusion à qui, quand vous dites autoproclamations? De constitutionnalistes du camp de l'ensemble, hein, parce qu'il faut qu'on n'ait pas la langue du bois. C'est le camp de l'ensemble qui passe par un argumentaire d'injure, donc d'incivilité. Vous l'avez entendu de la bouche de M. Muyambo, je crois. Oui. Donc, ça sont des arguments d'incivilité. Au niveau national... Mais il n'y a pas que lui, il y a Delice Sanga, il y a Delice Sanga, il y a Francis Kalombo, il y a tous ces gens, tous bon, ces okay. juristes d'ensemble qui ont dit tout simplement que Noël Tseni... À la limite, ils ont voulu dire que Noël Tseni était malade, il est fou. Parce qu'en disant que, bon, ce que Delice Sanga dit par exemple, que Noël Tseni était irréfléchi, tout simplement irréfléchi. Ben écoutez, et irresponsable. Je préfère écarter déjà les propos à caractère injurieux, parce que ça ne nous avance pas. Répondre aux injures, l'on serait soi-même incivique. Pour un débat national, les injures n'ont pas leur place. Je considère que j'ai beaucoup plus d'estime à Delice Sanga, qui est un confrère, et que je me refuse de croire qu'il a utilisé les propos injurieux ou des bas étages. Donc, je l'écarte. Et j'écarte en même temps les propos injurieux qui sont venus de M. Muyambo que j'ai suivi. Lui, au moins, je confirme qu'il a eu des propos de bas étages injurieux et donc ça ne peut pas nous occuper. Maintenant, celui que vous avez cité, Kalombo, je pense, okay, qui, lui, est venu avec les arguments erronés du droit. C'est lui qui est comme constitutionnaliste de l'autre côté. Que dit-il? Il soutient que si l'on va vers cette réforme-là, l'on déverrouillerait le verrou de l'article 220. En quoi? Ben, c'est ce qu'il soutient. Heureusement que vous êtes juriste, vous comprenez que c'est déjà une hérésie. Je ne vois pas. Bon, voilà. Je ne vois pas le lien. L'article 10 de la Constitution ne fait pas partie de articles verrouillés. Oui. Et donc, ce n'est pas un article intangible dont, si on les déverrouille, que ça puisse entraîner le déverrouillage de l'article 220 et que ça puisse faire revenir le sénateur Kabila, ex-président, au pouvoir. Voilà un peu l'argumentaire de Francis Kalombo. Mais ça, c'est quelle gymnastique? Je ne comprends pas. Comment il a tenu ça? Comment il a expliqué? Bon, c'est vrai que ça vous peut-être musical. Beaucoup... bon, en dehors de ça, je ne vois pas scientifiquement ce que ça peut être. D'accord. Et vous savez que quand
nos amis, il y a un virus congolais qui était un virus musical. Où on arrive, on donne des arguments comme ça, on parle vite, voilà. Passe par volubilité, et nous avons connu des Sankara, des Kunta, des gens comme ça. Ça, c'était un virus dans la musique. Mais qui a, qui a migré, qui s'est transformé, et qui est arrivé dans le monde scientifique. Et dans le monde scientifique maintenant, vous voyez que les gens commencent à venir avec des arguments d'autorité. Voilà, ça, ce ne sont pas des arguments. Donc on doit parler d'arguments scientifiques. Oui, mais comme on dirait pièce contre pièce, oui. L'on vous dit, quand il vous dit que Kabila reviendrait au pouvoir parce qu'on aura adopté la loi Tchani, c'est du n'importe quoi, ce n'est pas ça n'a pas sa place en fait. Ça n'a pas sa place. N'accordons même pas on ne peut même pas accorder d'importance parce que ça ne vaut pas. Deuxième argumentaire, il s'appuie sur l'article 207 où l'on accorde, n'est-ce pas, tout à l'heure j'ai invoqué l'anthropologie, que nous sommes un pays, n'est-ce pas, dualiste en termes de lois. Nous avons la loi écrite et nous avons la coutume. Et l'article 207 de notre constitution fait belle place à la coutume. Mais ça, c'est par rapport au pouvoir coutumier. Mm. Mais je ne vois pas ce que ça vient faire dans le débat de nationalité. Mais ça n'a rien à voir. Non, pour lui, il considère, bon, on essaie un peu un effort, il considère que comme nous sommes, on reconnaît le pouvoir coutumier et qu'il y a des régimes matriarcats, on peut être des mères matriarcat, donc l'enfant appartiendrait à la mère, et comme l'enfant appartient à la mère, et donc voilà. Mais encore que la mère doit être aussi congolaise, c'est ça aussi le problème, il faut que la mère soit finalement congolaise. Maître Oscar, on a balayé ça, vous avez compris. Oui. Et puis maintenant, sur cette histoire, on va dire, xénophobie par rapport à la Côte d'Ivoire et consorts, ça n'a pas lieu d'être. Nous ne sommes pas dans la même situation que la Côte d'Ivoire. Non, moi je voudrais qu'on réorganise les choses, maintenant, Oscar. Parce que si nous nous mettons à répondre disons, on se met à réfléchir sur base des raisonnements faux, nous risquons de défausser aussi l'émission parce que ça ne sert à rien. Alors, je voudrais qu'on revienne sur des questions fondamentales. La nationalité. Comment, dans un État, l'on définit la nationalité? Est-ce que la nationalité est définie par rapport aux lois ancestrales? Est-ce que la nationalité est définie par rapport à la pression coutumière, par rapport à l'histoire sociologique, ou la nationalité est un élément juridique, essentiellement juridique, ne tenant compte de rien d'autre? La nationalité est définie par rapport à une loi. Vous avez la nationalité par rapport à la loi d'un pays. Maintenant, la loi d'un pays repose sur des fondements, sur des réalités, parce que la loi, même toute loi, repose sur des fondements anthropologiques, sociologiques, sur des réalités culturelles que l'on prend en compte et on traduit en loi. En l'espèce, pour répondre à votre question directement, donc, on est national par rapport à une loi. Et dans notre pays, la constitution définit qui est congolais. Sauf que notre constitution accuse des limites dans cette définition. Ça veut dire quoi, accuser? Des limites qu'elle accuse, c'est d'avoir dit que l'on est congolais quand l'un des parents. Et donc, on a modifié notre tradition depuis la Deuxième République, où l'on était congolais de père et de mère pour être président. On précise bien pour être président. Pourquoi pour être président? C'est la fonction suprême d'un pays et que c'est le président de la République qui a entre ses mains le destin d'une nation. Et vu la grandeur de cette fonction, l'on ne peut pas la confier dans les mains de gens dont le cœur, quand il faut prendre la décision, est partagé. Vous comprendrez qu'en face d'une guerre, l'on ne peut avoir que les intérêts du pays et non pas être partagés en conflit d'intérêts. Si je dois bombarder, allez, Kigali, je ne dois pas penser que mon petit neveu va mourir là-bas. Vous comprenez que je vais hésiter. Et donc, voilà un peu pourquoi l'on veut que l'on soit des pères et de mères
congolais. Alors, ils amènent un autre débat sur le débat. Avant de parler du débat de la compétence, restons d'abord sur le débat de la nationalité. Comment ça se passe à l'étranger, par exemple? Est-ce que, parce qu'ils ont parlé de l'ivoirité, il y en a d'autres qui ont parlé de l'exclusion, par exemple de la banalisation de la nationalité avec le phénomène, avec le cas de Trump, disons le cas de Obama. On a parlé aussi de la France. Chez vous d'ailleurs, que Sarkozy était un Hongrois, c'était forcément pas un Français de souche, et que Hollande, bon, en fait, pas Hollande, mais en tout cas Sarkozy, ce qui est clair, on a même dit qu'Emmanuel Valls était un Espagnol, il a même postulé en Espagnol, pardon, en Espagne. Pourquoi au Congo l'on fermerait l'accès à des enfants qui ont un parent congolais? Bon, Christian, on va être simple et clair. Quand vous prenez toute l'Afrique entière, disons l'Afrique noire, vous n'avez aucun parti politique d'extrême droite. Si vous en connaissez un, dites-moi. Et donc, quand vous ne connaissez pas tous les partis politiques en Afrique. En tout cas, en Afrique, il n'y a pas quelqu'un qui est comme Marine Le Pen. Si, il y en a beaucoup. Hein. Mais non, il y en a beaucoup. Hein. Non, qui s'affiche en tant qu'idéologie d'extrême droite, raciste, xénophobe, tout ça. Il n'y a pas. C'est ça l'extrême droite. Quand vous êtes aux États-Unis, on a considéré que Trump était tendance extrême droite. Quand vous êtes en France, on va vous dire, voilà le parti d'extrême droite. Quand vous êtes en... Donc, tous les pays européens, là, ont l'extrême droite. L'Afrique n'a pas d'extrême droite. Pourtant, les gens qui vont dire sur la loi des nationalités, vont dire que c'est l'xénophobie. Mais en Europe, il y a des partis qui existent, qui font des bons scores aux élections. Et qui sont subventionnés par l'État et qui sont affichés extrême droite. On ne crie pas, on ne dit pas xénophobe. Mais en Afrique, il n'y a pas d'xénophobie. Et donc, cet argument où on prend les arguments comme ça des caviars. Bon, vous savez, des gens comme ça, ils vont venir de l'Europe et dire quand j'étais en Europe et qu'on sort. Bon, ils vont vous amener des arguments comme ça qui ne collent pas avec nos réalités. Nous ne sommes pas sur cet aspect-là des choses. Première considération. Deuxième considération. Si l'on peut nier tout à Mobutu, on doit lui reconnaître une chose, c'est l'unité nationale. Aujourd'hui, les Congolais nous sont très unis. Et on vous dit, mais unis par les sorts. Je ne sais pas ce que ça veut dire, être unis par les sorts par rapport à la nationalité. Vous prenez le cas de Goma, avec catastrophe naturelle. OK? Mais le volcan là, les gens qui ont fui, mais il y avait les Italiens, les Belges, les Français qui étaient là. Ça veut dire qu'ils sont unis par le sort du fait que tous ils étaient victimes. Est-ce que pour autant ils sont devenus Congolais? Vous vous répondez à Katoubi, en fait. Katoubi a dit, ça c'est toujours la logique, parce que je voulais qu'on aille méthodiquement, mais je comprends l'impression que vous voulez qu'on aille directement vivre au sujet. Allons-y. Katoubi dit. Non, je suis méthodique, Christian. Je suis en train de démontrer qu'on écarte. Il n'y a pas de problème. On écarte l'xénophobie dans ça. Premier argument qu'ils avancent, et on écarte ça. Deuxième argument maintenant, exclusion. Alors, moi j'ai des enfants français. D'accord? Mes enfants français sont français d'origine congolaise, de père et de mère. Ces enfants-là, ils ne sont pas exclus. Ils sont exclus à partir du moment qu'ils gardent leur nationalité française. Une fois qu'ils recouvrent la nationalité, ils peuvent recouvrer leur nationalité en renonçant. Alors que celui qui n'est pas de père et de mère congolais ne pourra pas renoncer à sa nationalité italienne, par exemple. Parce qu'il est italien de par ses origines, il ne peut pas renoncer. Qui est italien, vous dites? Je dis celui, par exemple. Je n'ai pas cité quelqu'un. Si vous connaissez les gens qui sont italiens, parce que ce sont des gens comme des Italiens, des Polonais. il faut que... Les Burundais, les Rwandais. Voilà les gens que nous avons dans le pays. Alors, ces gens-là, eux, sont... Totalement, si on venait à adopter la loi que prône Dr Tiani, ces gens-là, eux, seront totalement exclus. Et nous n'avons pas de honte à exclure les gens qui ne sont pas. Alors, maintenant, le terme exclusion est un terme malheureux. Parce qu'ils ne sont pas exclus. Prenons dans notre constitution. Un Congolais naturalisé congolais ne devient pas président de la République. Pourtant, il est de nationalité congolaise. Et il pose tous les actes. Par naturalisation. Il jouit de tout ça. Il jouit de tout. On est bien d'accord. Sauf que
il ne peut pas devenir président de la République. Oui. Donc, si maintenant... Non, c'est différent. Ici, vous avez la maman de quelqu'un qui est congolaise ou vous avez les papas de quelqu'un qui est congolais. C'est tout à fait différent avec celui qui est naturalisé. Alors, vous avez donné l'exemple des États-Unis. Oui. Parce que nous sommes maintenant sur l'argument d'exclusion. Vous comprenez que ceux qui sont dangereux et qui excluent les autres, qui agitent et qui veulent ouvrir la boîte de Pandore, ce sont ceux-là. Une minorité, par ailleurs, comme vous l'avez dit vous-même, je vous ai suivi, cette minorité est protégée. Mais cela ne leur permet pas à devenir président d'un pays. Mais attendez, on rigole avec ce pays. Donc, par rapport à l'exclusion, ceux-là qui disent qu'il y a exclusion, ben, il n'y a pas d'exclusion. Si exclusion il y a tout simplement une discrimination dite positive. Et donc, quand vous prenez États-Unis, on ne peut pas devenir président des États-Unis si l'on n'est pas né sur le sol américain. Première chose. Deuxième chose, quand vous prenez la France dont vous parlez, il y a eu la loi Pasqua. On était français par droit de sol. Le simple fait d'être né sur le sol français, on devenait automatiquement français. Avec la loi Pasqua, on n'est plus automatiquement français quand on est né sur le sol français. Il faut attendre le devenir à ses 18 ans. Pour autant qu'on soit resté sur le sol français pendant les 5 premières années avant d'atteindre sa majorité. Ça voudrait dire que vous êtes né sur le sol français. Il faut 13 ans, il faut jusqu'à 13 ans. Il faut jusqu'à 16 ans, je crois. Non, il faut les 5 dernières années. Oui, oui. Mais quand l'enfant a 13 ans depuis sa naissance, les parents en situation régulière peuvent solliciter la nationalité pour leur enfant. Donc l'idée, c'est que quand vous n'êtes pas en situation régulière, donc les parents sont refoulés. Quand ils sont refoulés avec leur enfant né sur le territoire français. Et comme ces enfants ne pourront pas revenir sur le sol français, s'ils reviennent au-delà des 18 ans, ils ne peuvent plus se réclamer français. Donc vous avez compris qu'on n'a pas crié qu'il y a eu exclusion des enfants nés sur le territoire français qui avaient automatiquement la nationalité. Et quand on a changé la loi, les parents de ces enfants ou les immigrés n'ont pas marché pour dire que vous avez exclu nos enfants à la nation. Alors, la question politique maintenant, parlons-en. Noël Tiani est-il sous-traité par Félix Tshisekedi? C'est du moins ceux de Ensemble pensent comme ça. Ils disent, vous avez suivi les discours, la conférence de presse de Moïse Katumbi, il dit Noël Tiani, c'est un demandeur d'emploi, un chercheur d'emploi, et donc, par déduction, c'est un sous-traité. Ce n'est pas lui qui a pensé, c'est quelques proches de Katumbi estiment que Tiani a été instrumentalisé par Félix Tshisekedi pour en arriver là. Ben, écoutez, ça, je vous dis encore une fois de plus, nous avons un débat tellement sérieux qu'il ne faille pas, malheureusement, prêter oreille aux gens qui sont à la recherche de l'emploi. Si en politique, il y a un parti politique qui engage les gens, c'est le parti dont vous citez, donc c'est l'ensemble. C'est là où on sait que l'autorité morale est un employeur. Et c'est pour ça que les gens se bousculent à sa porte. Or, à un parti politique, on y adhère par conviction et on n'est pas payé quand on est dans un parti politique. Mais je vous ai suivi en train de parler de 5 000 $. Vous avez dit que ça, c'était dans le premier temps et que vous semblez connaître les salaires de ces gens-là. Citez-moi un seul parti politique où vous savez que les gens sont rémunérés. Mais dans ce parti politique-là, ceux qui y sont, sont des demandeurs d'emploi. Première chose. Et s'ils sont demandeurs d'emploi, mais ils font un emploi non déclaré. S'ils font, ils sont dans un emploi fictif. Donc voilà, ils ont des salaires dont on ne déclare même pas pour que l'État puisse bénéficier d'impôts. Donc, de ce côté-là, nous savons qu'il y a des gens qui sont payés. Alors, donc, pour dire tout simplement que Noël Tiani, en le disant, n'est pas demandeur d'emploi, vous ne pouvez que regarder son profil. On ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui est à la recherche du gagne-pain. Mais de l'autre côté, vous avez des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie et leur premier emploi, c'est adhérer à l'ensemble. Et donc, ils sont en train d'être porte-parole. Voilà. En dehors de la politique, s'ils ne peuvent plus faire la politique, ils ne pourront plus travailler dans la vie active. Donc, j'écarte
l'argumentaire tiré vers le bas par rapport à la fin, Ogan Pety. Noël Tchani n'est pas dans cette catégorie. Quant à ce qui concerne sa sous-traitance, sa sous-traitance par le président de la République, ben, je pense pas, je trouve que ça serait un peu quand même dommage pour un parti politique dont les cadres qui parlent espèrent un jour à nous diriger, ils puissent développer un argumentaire aussi, on va dire, banal, et on perdra notre temps. Parce que le président de la République, il est président aujourd'hui en exercice de l'Union africaine, n'est-ce pas? Il est président de la République. Pensez-vous qu'il a le temps de passer par quelqu'un qui n'est même pas au sein de l'Assemblée parce qu'il a démontré sa capacité de changer le cours d'événement avec le changement des majorités? Il a des députés, il est le président de la République, et je crois que s'il veut initier une loi pour atteindre un objectif politique, il ne passe pas par Noël Tchani, qui du reste était son concurrent comme candidat aux élections présidentielles. Non, mais peut-être pour préparer l'opinion, on ne sait pas. Peut-être le plan, c'est à faire un référendum après, bon, voilà. Mais il n'a pas besoin de passer par Tchani. Dans l'UDPS, il y a des brillants constitutionnalistes. Oui, mais qui ne pourront pas apporter la loi parce que vous avez suivi Daniel Safou. Daniel Safou a dit que c'est le député qui va oser amener la loi au Parlement. Il va signer son acte de décès. C'est là que j'ai appris. Ah, même les fous parlent dans ce pays. C'est là que j'ai appris qu'un mort peut signer son acte de décès. Ah, même des fous parlent dans ce pays. Comment ça, des fous? On parle d'un député. Non, moi, je ne parle pas de Daniel Safou. Ah. Moi, je parle de fous qui parlent. Quand vous avez, quand vous avez quelqu'un qui se réveille et qui passe à la télé, quel que soit son statut, et qui menace quelqu'un de mort, vous pensez que c'est quelqu'un de normal? Raisonnablement, vous menacez quelqu'un de mort parce que vous allez penser que menace de mort, ça va faire l'objet de poursuites judiciaires. Et vous savez très bien que c'est impoli parce que vous ne pouvez pas menacer quelqu'un de mort. Vous ne pouvez pas éduquer votre enfant d'aller menacer les gens de mort ou bien de dire « je vais vous frapper ». Donc vous voyez que tout cet argumentaire-là ne peut pas nous occuper. Et quand je dis « même les fous en parlent », alors on est fou que quand on perd la raison, et on perd la raison quand on peut menacer quelqu'un de mort. Donc maintenant, moi, je n'ai pas suivi. Et je Mais alors, pourquoi, selon vous, les katumbistes en font un problème personnel? Non, mais la réponse est claire. La réponse est claire parce que vous l'avez dit. Alors, il y a un vieux sociologue, quand on discutait sur la loi sur le mariage pour tous, qui dit ceci. Qui autre que les homosexuels et les prêtres peuvent se battre pour le mariage encore dans ce pays? Parce que quelqu'un de normal, qui n'a pas besoin d'aller faire l'homosexualité, ou qui est prêtre, qui veut se marier, ne va pas se battre pour dire mariage pour tous, parce que c'est naturel pour lui de se marier. Donc, quelqu'un qui est congolais de père et de mère, c'est naturel pour lui que cette loi ne va pas le déranger. Comme vous, par exemple, ça ne vous gêne pas que cette loi-là soit adoptée? Vraiment, franchement, il n'y a pas... Bon, je ne vais pas... Écoutez, je suis congolais de père et de mère, et je suis né dans un village qui ne partage aucune frontière. Et donc, partant de là, je pense que ça ne me gêne pas. Et même si ça pouvait me gêner, il faut savoir se dominer. Il ne faut pas être pour un intérêt personnel. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais maître, vous, vos enfants sont des Français, c'est que vous êtes en train de soutenir cette loi. Et donc, mais même si mes enfants vont être exclus par une loi, au nom de l'intérêt général, je l'admets. Mais vos enfants ne pourront pas être exclus parce que vos enfants vont recouvrer leur nationalité s'ils veulent. Je le dis par, par extrême. Par extrême, très bien. Donc, ça veut dire que moi, si je ne suis pas Congolais d'origine, j'aime le pays. Parce que quand on dit on aime le Congo, on n'aime pas le Congo pour devenir président. Mais alors, les gens de Ensemble disent aussi que Félix Tshisekedi n'est pas aussi 100% Congolais, de par sa mère qui serait en partie angolaise. Mieux, Félix Tshisekedi a été nourri aux mamelles congolais. Mieux que Congolais comme Tshisekedi, il n'y a pas. Même son nom en lui-même est symbole du Congo. On dit les Tshisekedi. Même partout au monde, on dit, écoutez, j'ai fait le droit des étrangers en Europe et je pars défendre les réfugiés congolais qui arrivent et qui demandent leur statut de réfugié parce qu'ils vont dire toujours que nous étions des lieux de paix pour qu'on leur donne le statut de réfugié. Et là, on sait que, UDPS, on dit, les Tshisekedi. Et tout blanc connaît qui est Tshisekedi partout au monde. Eh bien, ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien. Il pourrait aussi avoir des enfants adoptifs qui porteraient son nom. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que vous répondez à cette question-là? Vous ne pouvez que voir la bénédiction matinale de Maman Marthe chaque fois
Vous avez déjà vu un président de la République qui s'incline devant sa mère? C'est la première fois. Non, mais attendez, depuis que nous sommes dans ce pays, même pas depuis Mobutu, il nous a dit que sa mère était morte bien avant, sauf quand on a calculé, on a trouvé que sa mère, il était venu au monde quand sa mère avait 9 ans. Donc, nous avons eu difficulté avec Mobutu, donc la mère est posée difficulté. Et puis, après, nous avons fait la continuité. Mais bon, on a vu le rang des Kabila dont on ne connaissait ni père ni mère. Bon, on a fait la continuité. Même, hein. Mais maintenant, nous n'avons jamais vu un président qui va s'incliner devant au moins sa mère qui lui donne bénédiction. Ça nous apaise. Nous sommes d'une tradition quand même catholique, hein, la majorité. Revenons sur la question. Alors, donc, pour dire que ce débat-là, pour parler... Pensez-vous que Moïse Katumbi est congolais? Sincèrement. Mes pensées ne conduisent à rien. Mais tout simplement, il appartient à Moïse Katumbi de dire qu'il est congolais. Il a dit qu'il est congolais. Bon, dire, c'est une chose, prouver en est une autre. Mais pourquoi il doit prouver sa nationalité? Ben, j'ai vu pourquoi vous ne prouvez pas le vôtre? J'ai vu mon confrère Dupont Moretti, qui s'était occupé de ce cas, qui aurait écrit à une commune d'Italie, et il y avait trop de communication médiatique par rapport à cette histoire de nationalité. Il ne faudra pas que le problème d'un seul individu traîne toute la nation en difficulté pour rien. Katumbi, c'est juste un individu parmi plus de... C'est un leader politique important, c'est un potentiel candidat aux élections 2023 et il est en train de voir ses chances être réduites comme ça, tout simplement parce que vous avez peur de... Quand je dis vous, pas vous, mais parce que l'UDPS a peur de lui, parce que Félix Tshisekedi va se sentir très mal à l'aise. Monsieur Christian, savez-vous que dans ce pays... Quand il y a eu ce faux bruit qui s'est estompé, et j'avais dit aux gens, laissez Martin Fayoulou danser, il se fatiguera. Comme Le Pen disait de Sarkozy, laissez-les s'agiter comme dans sa cage, il va se fatiguer. Et aujourd'hui, il s'est fatigué. Mais pendant qu'il a fait son histoire de vérité des urnes, vous avez vu dans ce pays... Les gens soutenir, pas le moindre, c'était l'église catholique, d'Abbé Chole et consorts, soutenir qu'il y avait eu des smartphones. N'est-ce pas? Vous avez entendu parler de ça? Si. On disait que ça venait d'où? Bon, aujourd'hui, c'est parti où ce téléphone-là? Vous considérez que des gens normaux peuvent faire venir 400 000, 40 000 smartphones pour vérifier les élections et puis après ça disparaît, on ne sait pas quel est un seul Congolais qui avait ça. Donc nous sommes, pour dire quoi? Pour dire que nous sommes face à des gens qui entrent dans les laboratoires communicationnels et qui, pour rien, nous entraînent sur un faux débat. Alors, qui, sans argument. Comment on résout J'aurais bien souhaité... Comment on résout ce problème? On résout ce problème. Comment on va le résoudre? Comme vous le faites, très bien. Vous arrivez à conscientiser les Congolais pour qu'ils... Vous n'avez pas les mêmes moyens qu'eux. Vous avez vu, j'ai vu vos collègues journalistes qui sont partis. Bon, les journalistes partent partout. C'est leur choix, ils sont libres, ils sont journalistes, bon, ils sont allés chercher l'information. Les journalistes partent partout. Oui. Mais maintenant, quand on est journaliste, l'information doit être utile à la nation. Et donc, quand on est là pour, au plan médiatique, faire entretenir un faux débat, il y a problème. Donc, vous le faites bien par... conscientisation de la population en apportant les contre-arguments. Vous le faites bien en nous invitant pour apporter les contre-arguments. Maintenant, les gens là qui parlent, ils vont fuir si vous voulez organiser un débat ici avec les gens que vous avez cités. Ah, moi, je suis blacklisté. Non, même eux-mêmes. Par la Mouka m'a blacklisté. J'ai quand même l'impression qu'ensemble aussi, veut me blacklister. Ben, ils sont libres de le faire. Est-ce qu'ils peuvent... Moi, je lance un défi. OK? Que les journalistes qui sont là, eux-mêmes, ils ont beaucoup de moyens, ils organisent les débats. Mais qu'ils organisent un débat public. Comme ça, la question de la loi Noël Tchani, c'est une question que l'on appelle une question d'intérêt public. C'est un débat national. Maintenant, sur le non-leader et qu'on a l'argent, ben, écoutez, il se peut qu'ils aient de bons arguments pour dire qu'on ne puisse pas aller dans la direction de limiter encore l'accès à la présidence par la condition d'être père et de mère, qu'on en reste là. C'est un argumentaire, c'est une thèse. Mais il faut qu'on ne soit pas soi-même
très xénophobes par exclusion, en disant qu'on nous exclut alors qu'ils sont en train d'exclure les autres. Dire maintenant que l'on soit congolais des pères et des mères est un débat et finalement le peuple congolais va trancher. Mais pour que le peuple congolais tranche, il faut que les armes soient égales en termes de débat. Donc, selon vous personnellement, oui, quelle est la faiblesse de la loi Tiani? Aucune faiblesse, je vous dis. Elle a aucune faiblesse, la aucune loi. Pourtant, toutes les lois ont des faiblesses. Non, il n'y a aucune faiblesse. Il n'y a pas de loi, toutes les lois n'ont pas de faiblesse, Christian. Là, je vous oppose le contraire. Prouvez-moi comment je vous donnerai beaucoup de cas. Excusez-moi. Quand on consacre le droit à la vie, quelle est la faiblesse? Le droit à la vie, ce n'est pas une loi. C'est un, dans la Constitution, c'est une évidence. C'est une évidence naturelle. Ce n'est pas une loi. Mais okay, être président du Congo est une évidence naturelle. Je vous ai suivi vous-même. Vous avez dit que pourquoi vous n'allez pas même demander à être bourgmestre au Burundi. Moi, ça m'étonne en fait. Pourquoi vous avez un père, mais tout ce cas, vous avez une mère française, par exemple, et un père congolais. Donc, on sait que vous avez deux pays au moins. Mais pourquoi vous voulez nous demander à nous de faire ce que vous ne pouvez pas faire chez vous, c'est dans le pays de votre mère. Bon, en dehors de caractère un peu adouci, parce que quand, voilà, moi je suis de mamelle de Cicéron. Il disait que des bonnes choses, n'est-ce pas, nous mettent à l'abri des vacarmes, donc du bruit. Donc, on doit dire les choses de manière adoucie, comme vous le dites. Vous le dites sous un ton un peu amusant. Pourquoi vous ne voulez pas aller au Burundi, au Rwanda, dont vous êtes originaire de par le maire ou le père, pour aller demander à être bourgmestre? Ne serait-ce que bourgmestre. Bon, vous voyez, c'est dit de manière adoucie, de cette manière-là, ça plaît à l'oreille. Mais de manière très sérieuse, c'est parce que nous sommes jusque-là faibles, ou nous étions jusque-là faibles. D'accord? Parce que si nous étions un pays fort, comme du temps de Mobutu, les plaisantins ne passeraient pas à la télé pour dire nous pensons devenir. Vous savez qu'on était, pour être président du MPR, il fallait être des pères et des mères, et automatiquement on était président de la République. On ne pouvait pas avoir un plaisantin dont les parents sont d'une autre origine, venir en train d'animer une campagne, ça serait contre la campagne pour dire qu'il faut combattre la loi Tiani. C'est une campagne contre la nation. C'est vraiment contre la nation. Combattre la loi Tiani. C'est une campagne contre la nation. Et donc, sous d'autres cieux, on va même vous demander de vous refouler. Mais vous n'allez pas refouler quelqu'un qui a un père quand même ou une mère congolaise. Parce que regardez un peu, si vous suivez Moïse Katumbi, il a été clair, il dit cette loi ne le vise pas lui, ça vise l'unité du Congo. Il a dit encore que vous voulez vous attaquer, vous ne lisez pas l'hymne national. Parce que l'hymne national parle du sort et de l'effort. Bon, il dit qu'il ne va pas se laisser abattre. Avec tout le respect que je vous dois, il dit qu'il se battra. Je crois que nous avons répondu là-dessus. Je crois que tout est clair. Que si l'on veut le débat qu'on nous amène, il ne faut pas... Ici, on aime des débats monolithiques. Il faut que ceux-là qui disent ça, qu'ils ouvrent les débats. Je le chercherai. Je le chercherai. Alors, quand on dit, unis par les sorts, je vous ai dit, ici, dans ce pays, si vous êtes... ça m'a fait rire parce que j'ai compris qu'il y a une exprimée dame qui dit qu'au Kasaï, on meurt de faim. Il faut d'abord donner aux gens à manger au Kasaï. Comme par hasard, c'est au Congo, il n'y a qu'au Kasaï, on meurt de faim. Puis tout le Congo mangerait. Vous voyez qu'un peu, c'est quand même plaisantin. Alors, maintenant, vous je vais... Vous parlez d'Olive Lembe. Maintenant... Elle a dit que ce sera la première fois dans ce pays qu'on ait un président, une présidente, une femme présidente. Olive Lembe serait en train de préparer sa candidature aussi en 2023. Elle dit, ne soyez pas étonné qu'une femme soit présidente. Prenez, il faut la prendre au sérieux quand elle dit ça. Ce qui est sérieux, c'est que nous puissions promouvoir les femmes. Maintenant, quelle femme? C'est autre chose. Parce que l'on n'est pas né femme, on le devient. Simone de Beauvoir. Disait Simone de Beauvoir. Alors, c'est bien d'être face. Tu vois, ça, ce sont des bonnes choses. De l'esprit. Il faut parler des choses de l'esprit. Des choses d'en haut. D'en haut. Maintenant, quand vous parlez des choses d'en bas, vous dites, bah, parce qu'on est unis par les sorts. Donc, puisque nous sommes à Goma, moi, je suis français. Et le volcan. Moi, je suis français. Est-ce que le volcan va m'épargner? Je suis belge. Le volcan arrive, ça va me parler. Mais belge, français, italien, tout le monde qui s'est retrouvé à Goma était uni par l'essor du volcan. Mais ce n'est pas l'essor là dont parle notre hymne national.
Donc, parce que je suis à Goma, catastrophe naturelle, tremblement de terre, ma villa tombe, moi je suis français. Je suis frappé d'Ebola parce que je suis à Goma ou de coronavirus. Mais il y a un ambassadeur qui est décédé, qu'on l'a tué. Pour le sort qui se passe à l'Est, il y a un ambassadeur qui est italien qui a été abattu. Christian, le Congolais sont abattus, Christian, je vais vous dire une seule chose. Quand il y a eu coronavirus, j'ai eu des cas positifs, presque toute ma famille. Moi, j'en étais épargné parce que j'étais ici, heureusement. À supposer que mes enfants n'étaient pas français, ils étaient juste résidents en France. Par coronavirus, ils sont unis au même sort, parce que le coronavirus ne choisit pas. C'est un sort. Est-ce pour autant ils sont devenus français parce qu'ils sont frappés de coronavirus? Vous voyez que c'est un peu... Bon, et ça c'est de l'autre, mais de l'autre côté, il a dit qu'il va se battre. Il a, Félix Katumbi a promis aux Congolais. Mais c'est ça la campagne contre la nation. Il va se battre avec ses moyens et tout ça pour que nous imposer un étranger à la tête du pays. Ah ben, Alors, il se bat pour lui. Oui, il se bat pour les étrangers. Il dit pour la nation congolaise, qui veut l'équilibre, qui veut la cohésion. Soyons maintenant simples et clairs. Pour la nation congolaise, Noël Tchani vous dit que avec quand on a envoyé le Congo, l'entrée de la FDL, c'est en 97. Les enfants nés en 97, des pères rwandais Kadoko, ont 20 ans aujourd'hui. Ok? Donc, Moïse Katumbi veut nous dire qu'un enfant né d'un père Kadoko rwandais, qui est rwandais de par son père, peut devenir président de la République pour nos générations futures. Ben oui, mais c'est la loi qui le dit. Non, raisonnablement, est-ce qu'on est prêt à ça? Donc, demandons maintenant aux Congolais s'ils sont d'accord que le fils de James Kabaré, qui a fait un enfant ici avec une Congolaise, qui deviendrait Christian Kabaré, le père rwandais James Kabaré, et marié à la fille de Omo, ils ont fait un enfant de mère congolaise et des pères rwandais. Que Dieu nous épargne de ce scénario, en tout cas. On n'est pas... C'est pas possible pour l'instant. Vous voyez que c'est frustrant. On n'est pas, prêt. Moralement, on n'est pas prêt pour... voilà. C'est ça le vrai débat. Oui. Quand vous allez maintenant parler aux Congolais, traduisez ça dans les mots simples. Ça veut dire que les gens de l'ensemble, je trouve que ce parti politique est dangereux. Alors, sérieusement maintenant, pour clore ce débat-là, je prends mes risques, je trouve que c'est un parti politique dangereux qui est en train de nous prêcher que un fils... rwandais, des pères, peut venir marier nos filles et devenir président de la République. Donc, avec l'arrivée, ça me permet maintenant qu'on fasse une transition pour attaquer l'état de siège. Ça permet que, si maintenant nous arrivons à vaincre nos adversaires par l'état de siège, que je salue, et que s'ils comprennent maintenant que l'état congolais est devenu fort militairement, ils peuvent maintenant, comme ils sont tellement intelligents, ils peuvent dire maintenant, envoyons nos garçons et nos filles faire des enfants avec les Congolais. Comme ça, dans 30 ans, on va récupérer. Nous allons revenir. Est-ce que nous sommes prêts à ça encore, d'accepter cela? Est-ce que vous avez suivi les conseillers? Celui qu'on présente comme le conseiller de la jeunesse de Moïse Katumbi. On le présente comme ça, rien ne prouve que c'est vrai ou c'est faux. Ce monsieur a dit ceci. Si la loi de Noël Tchani passe, le Balouba du Katanga vont subir le même sort qu'en 1900, c'était je ne sais pas moi quelle année. Christian, je n'écoute pas les fous. Ouais. Je vous avais dit que les gens comme ça sont des fous et que mes oreilles ne sont pas souvent prêtes à écouter des bêtises. Mais c'est les choses qui passent dans la société. Et je suis au regret. Pourtant, il faut soit arrêter ça immédiatement, alors, je vais condamner. Là, je vais parler comme Hollande. Oui, allez-y. Moi, président de la République, dans ce pays, le parti politique comme ensemble, je le ferme. Moi, président de la République, pourquoi? Vous prenez l'article 6 de notre constitution. Un parti politique, c'est une formation qui encadre la masse, qui éduque la masse. Je ne peux pas laisser un parti politique sur mon territoire qui est en train de pouvoir se battre pour que demain, mon pays soit encore envahi parce qu'on aura placé à sa tête quelqu'un qui aurait comme origine de pays ennemis. Et quelqu'un qui rappelle le massacre. Ça s'est passé en quelle année déjà? Ou lorsqu'on a tué les Kassaïens le... J'étais étudiant à Lubumbashi. Oui. Quand il y a eu ça, nous sommes 89-90. Oui. Et que nous avons souffert largement. Ça visait les Balouba, forcément? Mais écoutez, ça visait malheureusement les Balouba. Est-ce que c'est l'histoire de Pichi Banda a toujours souvent raconté? Voilà. Oui, oui, voilà. Et Pichi Banda aussi parle de Leti Timboka. Oui. Et vous savez, l'attaque sur le campus. Ça, c'est des événements tristes. C'est pour ça que je suis heureux de voir, vous savez,
de voir Babe Kungo aujourd'hui, qui milite pour l'unité nationale. Pourtant, un acteur majeur de ce massacre. Voilà, c'est pour cela que nous sommes en train d'organiser une conférence sur la justice transitionnelle. Voilà le vrai plaid de notre pays qu'il faut penser pour tourner vers l'avenir. Mais quelqu'un s'amuse à rappeler ça, en disant que si la loi Tsani passe, c'est punissable. Les Louba, alors, en tant qu'avocat... Si je le connais, je porte plainte contre lui. Est-ce que c'est punissable à quelqu'un? Donnez-moi le nom, je porte plainte. C'est une incitation à la haine tribale. Et quand les gens nous appellent les Balouba, les Talibans, les Biloulous, Biloulous c'est pour dire les chenilles, donc les vermines, voyez-vous. C'est ça la vraie xénophobie qui se développe au cœur même du siège de l'ensemble. Je donne le nom de ce monsieur tout de suite parce que j'ai son nom sur mon papier, sur mon téléphone. Si vous me donnez, j'initierai une plainte. Mais ce qui est plus important, vous comprenez que ces propos comme ça ne sont pas condamnés et qu'ils sont... Malheureusement. Et ils prennent naissance au cœur même du siège national de l'ensemble. Et là, je suis très sérieux et que j'invite les responsables de l'ensemble d'arrêter la bêtise. S'il y a bêtise, c'est de ce côté-là qu'il y a bêtise. D'arrêter vite des bêtises comme ça en contrôlant leurs membres avec des propos parce que nous avons perdu les nôtres. Et au nom de tous les miens, je demande, n'est-ce pas, quand je dis tous les miens, c'est exceptionnellement, j'en prends l'accent et que je me réclame, je suis kassaïen, je n'admets pas. Alors que nous étions jeunes étudiants, nous avons vu les copains mourir, les frères et sœurs, les parents sont morts parce que nous avons été considérés comme des vermines et que l'on a même dit qu'on pouvait nous, on devrait être, en Swahili, on disait, Mipakala mafuta, mubaweka pandani pandindia. Donc on veut vous mettre l'huile sur les corps, vous mettre sur les chemins de fer, on vous pousse pour rouler vers chez vous, vers les Kassai. Voilà les propos qui étaient utilisés. Aujourd'hui, on ne peut pas encore revenir sur des propos comme ça, parce que c'est dangereux. Et c'est pour cela que j'invite immédiatement aux leaders de l'ensemble de mettre fin à de pareils propos et d'y veiller et de ne pas, par rapport à ses intérêts personnels, parce qu'il n'est pas de père et de mère congolais, de ne pas brûler le pays. Très bien. On va parler autre chose maintenant dans l'actualité. Vous avez cette question du Conseil de sécurité. Quel est l'avantage du Congo dans le Conseil de sécurité des Nations Unies? Qu'est-ce que nous gagnons? On a longuement parlé de ça avec le professeur Chilumbay. Il a essayé de nous expliquer. Mais selon vous, vous qui aimez bien le droit international, qui aimez bien le droit dans son ensemble, qu'est-ce que le Congo gagne en étant dans cette structure? J'aurais bien voulu parler de l'état des sièges que de cette question du droit international. Ah, on peut parler d'état brillamment des sièges. Déjà expliqué par le prof Chilumbay, qui est internationaliste. Moi, parce qu'on dit parfois qu'au Congo, on est spécialiste de tout, sauf de rien. Moi, je suis publiciste interne. Mais maintenant... Vous n'êtes pas non plus constitutionnaliste, je comprends. Non, mais c'est une... C'est grave, Christian, ce que vous dites. Non, mais attendez, qu'est-ce qui est grave? Ce qui est grave, écoutez, je vous ai déjà indiqué mon université, c'est Paris 5 Descartes. Pour paraphraser un homme conseiller, je crois, de la présidence qui a dit qu'il a étudié là où on n'achète pas les points. Oui, mais ça n'enlève en rien donc, le fait donc, que moi, je n'entre pas dans ce débat. Dans ce pays, nous avons des constitutionnalistes comme le professeur André Mbata, comme le professeur Kalouba, le professeur Essambo. Je n'entre pas dans ce débat. Les gens que vous me citez, je les connais un par un. Ouais. Je n'entre pas dans ce débat. Je ne pense pas que Badinter, vous savez, quand vous prenez la 5e République, les conseils constitutionnels et tout le monde là qui vous parle, n'est-ce pas, s'inspire de la France. Vous ne pouvez pas commencer à prêcher un musulman qui vient de la Mecque, vous ne pouvez pas commencer à lui prêcher le Coran. Donc, j'ai étudié en France, j'exerce en France et je suis publiciste. Mais ça ne fait pas des constitutionnalistes. Ça veut dire quoi, constitutionnaliste? Ça veut dire quelqu'un... Quand on dit constitutionnaliste, ce n'est pas lié à la Constitution. Encore une fois, j'ai suivi une hérésie ici, chez vous, avec où on parle des questions... blocs de questions constitutionnelles. Il n'y a pas une théorie de blocs de questions constitutionnelles. Il y a le bloc de constitutionnalité. Est-ce que vous osez contredire le professeur André Mbata? Non, je n'aime pas d'argument d'autorité. Moi, je ne vise pas le prof André Mbata. Mais j'ai suivi votre émission.
dans votre émission où vous parlez sur l'état des sièges, oui. Ok, pour l'essentiel, les histoires des Congolais, quand vous êtes savant, les œuvres parlent de vous. Je n'ai jamais vu un grand auteur qui parle de lui-même de ses œuvres. Quand vous êtes un grand auteur, les œuvres parlent de vous. Et quand on est professeur d'université, on n'est pas savant. Et quand on est savant, on ne le dit pas. Vous savez, en science, j'ai toujours dit, on n'est que des pygmées sur les épaules des géants. Alors, je parlais de virus musical tout à l'heure. Ça atteint, ce syndrome a atteint aussi le milieu soi-disant scientifique congolais. Je n'entre pas dans ce débat. Alors, n'entre pas dans Donc, maintenant, pour l'essentiel, pour l'essentiel, oui. Ce qui est plus essentiel pour notre peuple, c'est que c'est de dire, un, l'état de siège, il le fallait, c'est un outil nécessaire prévu par la Constitution pour lutter contre certaines circonstances exceptionnelles, notamment la guerre, ainsi de suite. Là, ceux qui ont pu voir en état de siège, proclamé par le chef de l'État, un inconvénient, je ne sais pas quel autre outil qu'ils pouvaient imaginer. Mais maintenant, c'est le temps de l'état de siège. Oui. Ça va prendre combien de temps? Est-ce qu'on va bloquer les parlements comme ça pendant tout ce temps parce que le professeur Mbata, par exemple, que j'ai reçu ici, il dit qu'il n'y aura pas de vacances parlementaires. Les députés n'iront pas en vacances parlementaires tant qu'on n'aura pas levé la question de l'état des sièges. Ça, c'est par rapport à la Constitution ou bien par rapport à son humeur? Comment ça, humeur? Ben, parce que la Constitution ne dit pas ça. Mais la Constitution dit quoi? C'est une hérésie. La Constitution dit, vous prenez l'article 144. On va lire l'article 144. Bon, s'il faut comprendre l'état des sièges, l'état d'urgence, il faut faire une analyse triangulaire. Ça veut dire que vous prenez l'article 85, 145 et 144. Quand vous prenez le tout là, ça vous fait un triangle et vous avez l'explication de tout. Oui, mais 20% ça n'explique rien. Ça veut dire, non, mais quand vous prenez là, on n'a jamais dit que le Parlement va rester en place jusqu'à la fin. On n'a pas non plus dit ça. On retarde. Lisez l'article 144. On va lire. En application de disposition de l'article 425 oui. de la présente constitution, l'état de siège comme l'état d'urgence est déclaré par le président de la République. Oui. L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit s'ils ne sont pas en session. Une session extraordinaire est convoquée à cet effet, conformément à l'article 116 de la présente constitution. La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée. Arrêtez-vous là-bas. Retardée. Ouais. C'est la clôture est retardée. Ouais. Continuez. La clôture est retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'alinéa précédent. Oui. C'est tout. Oui. Mais il est retardé. Ouais. On n'avait pas dit qu'ils vont rester en place. On retarde la clôture. Oui. Et là, on retarde pourquoi? Pour permettre, bien évidemment, pour permettre... pour permettre la prise des lois de modalité. Oui. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de vacances. Mais quand ils ont voté la loi, c'est fini. Comment ça, c'est fini? Christian, vous réalisez la... Commençons par l'article 85. Non, parce que là, Maître Oscar, vous voulez m'amener dans une forêt. Si, si, on va revenir. Bon, vous dites quoi, l'article combien? L'article 85, c'est le siège des matières. Oui. Alors, bon, qu'on soit clair. Ici, ça ne dit rien. Non, Christian, qu'on soit clair. Ok. Je m'inscris en faux sur 3-4 affirmations. Ok. La première, c'est l'affirmation selon laquelle l'état de siège et l'état d'urgence, c'est une même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Le professeur Mbata n'a pas dit ça. Il a dit ça ressemblait. C'était... Non, il n'y a pas même... Non, en droit, il n'y a pas de synonyme. Non, mais il y a le « et » ici plusieurs fois. Non, mais ça ne veut rien dire. Comment ça, ça veut rien dire? Il n'y a pas « e », il y a « ou ». Ben oui, mais « ou ». « Ou », oui. C'est la disjonction. Oui. Ou l'un ou l'autre. Ou l'autre, oui, bien sûr. Je veux voir Christian oui. ou Homo. Oui. Ça ne veut pas dire je veux voir la même chose. Non, mais bon, ça veut dire tout ce que Christian peut faire, Homo peut le faire. Non, mais attends, c'est pas ça. Non. Maître Oscar, vous, votre femme, vous êtes... Non, sortons de confusion. En droit, il n'y a pas de confusion. Comment ça? L'état des sièges... La compréhension. Christian, je suis formel. L'état des sièges, et d'ailleurs vous-même, vous avez dit... Non, comment ça? Vous étiez choqué. Vous avez dit, mais là, le quoi ça? Ne m'opposez pas au professeur Mbata. Non, mais je ne vous oppose pas. Maître Oscar, moi, je suis étudiant en troisième cycle. Christian. Et que professeur Mbata est mon professeur de droit. Donc, je suis très mal à l'aise de m'opposer. Il ne faut pas m'opposer. Je n'étais pas choqué. Je voulais juste savoir, parce que le professeur Mbata, effectivement, comme vous, avait
pas comme vous, comme, un peu comme vous dites, il avait affirmé que c'était la même chose. Alors moi, je voulais voir la nuance entre pourquoi dans l'état d'urgence, il n'y a pas des militaires alors que dans l'état de siège, il y a des militaires. Il m'a dit oui, c'est juste, la différence petite, de... c'est juste une petite nuance. Donc, ce n'est pas la même chose. Ça peut pas être la même chose. Là où il y a des nuances, mais c'est puissant. Vraiment alors, ensemble. Écoutez, alors expliquez-nous le sens de cette, coup. C'est quoi pour ce qui est pour ce qui, est important. Oui. Sur cette question capitale pour nos étudiants, en tout cas qui nous suivent en ligne, parce que je n'ai pas le pouvoir d'être en face d'eux. Et il y a certaines personnes, n'est-ce pas, qui ont pu de étudier en ligne, online, ok? Certaines universités dont on vous parle, ce sont des universités qui ne sont pas classiques comme celles que vous avez faites. Ce sont des universités en ligne. Il y a beaucoup de gens qui ont étudié en ligne. Mais c'est pas mal. C'est moi, je n'ai pas dit que c'est mal. Oui. Là, même, je donne. Même aux États-Unis, il y a des universités en ligne. Il y a pas tout ça. Oui, mais moi, je dis que c'est mal. Non, on n'a pas dit ça. Mais maintenant, il y a ceux qui vont préférer la chaleur humaine d'être en face. Oui. Parce qu'il ne faut pas parler et dire bon, ok, d'être en face. Moi je n'ai pas étudié en ligne. Non, moi, j'ai étudié. Quand... On va sortir de la première. Bon, je ne suis pas sur ça. C'était la première. Donc, je vais dire deuxième, ceci. La deuxième. Je vais dire ceci. Oui. Je vais dire ceci. Pour nos étudiants, l'état d'urgence, c'est une question importante. Enfin, pour nos... Parce quelle que... est la différence? Je vais poser la question clairement. Quelle est la différence entre l'état d'urgence et l'état de siège? Mais vous-même, vous avez donné, quand on a semblé vous dire que c'était la même chose, vous avez dit qu'en état de siège, les gouverneurs deviennent des militaires. C'est une différence palpable. Parce qu'on a semblé vous dire que c'était la même chose et ça entraînait une confusion. Est-ce fondamental? Est-ce une différence fondamentale? Non, la différence est celle-ci. C'est au niveau des degrés, des gravités des circonstances. En moindre circonstances, qui ne sont pas les circonstances, par exemple, qui s'apparenteraient à la guerre, parce que nous avons l'état d'urgence, l'état de siège et la guerre. Voilà les trois. Ok, l'état d'urgence en ordre est d'une moindre gravité que l'état de siège. Ça veut dire que les circonstances sont de moindre gravité en termes de l'agression du pays. Quand le pays est agressé par une guerre, par de circonstances militaires, en termes d'insécurité militaire, soit vous faites l'option entre l'état de siège ou la déclaration de guerre. Mais quand vous avez, par exemple, le coronavirus, ça n'a pas des armes, ça n'a rien, c'est l'état d'urgence. Donc, en termes de gravité, ça, ce sont les circonstances qui se différencient. Mais et donc, ça fait la même, c'est pratiquement la même chose dans leur application, dans leur instruction. Non, dans l'état de siège, il y a les armes qui crépitent. Oui. Il y a les droits de l'homme qui sont suffisamment amoindris. C'est la même chose dans parce qu'on peut, les policiers... n'assure plus l'ordre public. Deuxième différence, c'est assuré par les militaires. Mais c'est justement ce qu'on a dit. Non, Christian, un policier ne peut pas tirer sur quelqu'un sans sommation. Maître Oscar, oui. Ça c'est la différence, on a parlé de ça déjà, des militaires. Mais je vous dis, on lit l'article 61. En aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé, conformément aux articles 25 de la présente constitution, il ne peut être dérogé au droit des principes fondamentaux énumérés ici après. Donc, que ce soit dans l'état d'urgence, que ce soit dans l'état de siège, le droit à la vie, le droit à l'interdiction de la torture, l'interdiction de l'esclavage, les principes de l'égalité, le droit de la défense, l'interdiction de l'emprisonnement pour dette, la liberté de penser et de conscience, c'est la même chose. Ce sont les droits qui sont inaliénables. Non, vous faites exprès, Christian. Comment alors, exprès soyons. Non, pour ceux qui nous suivent, soyons très sérieux. Je comprends que vous protégez. Non, pas du tout. Vous protégez qu'on ne puisse pas vous décaler. Non. Et si on ne peut pas être, si on peut, dans une université sérieuse, être décalé par rapport à ses opinions, vous comprenez. Moi, j'étudiais dans une université. Pas du tout, Maître Oscar. J'apprends beaucoup de vous. Bon, donc, je dois vous dire, vous êtes pertinemment intelligent, ça tout le monde le dit. Il n'y a pas de souci. Mais sur la question de droit, vous m'avez appris ici qu'il n'y a pas d'amitié en science. Donc, quand je vous reçois, mais parce que vous dites que vous avez peur qu'on vous décale. Non, pas peur, j'ai dit, ne m'opposez pas. Un peu comme si j'ai recevé le professeur Mbata et qu'il veut m'opposer à vous, je dirais, ne m'opposez pas. Non, mais célèbre l'opposition, non, je suis qu'un petit avocat. Ça, ce n'est pas ça d'important. L'opposition est toujours utile parce que c'est du choc des idées que j'ai eu la lumière. Ouais. Et moi, j'adore l'opposition d'idées. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, je suis plus ami de la science que de mon ami. Votre papa, qui est notre confrère, vous, en tant que juriste, lui aussi est juriste, vous pouvez, n'est-ce pas, à la maison, d'ailleurs, c'est pour cela,
vous êtes brillant juriste, parce que vous avez appris les droits même avant que vous ayez à l'université. Oui, oui, le bâtonnier Bossembe. Voilà. Donc, vous comprenez, mais vous êtes opposé au bâtonnier, par exemple, sur les idées. Beaucoup. Alors, donc, je ne suis pas d'accord avec vous. Il est dans l'ensemble. Donc, voilà la preuve. Moi, vous n'êtes pas dans l'ensemble. Donc, voilà. Donc, voilà pourquoi je suis contre les arguments d'autorité. Et donc, nous avons les gens qui se sont emparés et accaparés d'un espace de débat pour dire que c'est réservé aux savants alors qu'un savant ne se proclame pas, on ne se décrète pas savant. Donc, on va terminer. J'étais en train de dire que quand vous prenez Badinter, par exemple, s'il a révolutionné le Conseil constitutionnel, on ne dit jamais professeur Badinter. Vous le connaissez mieux, on dit Badinter. Pourtant, il est brillant. Donc, j'étais en train de dire que l'état de siège et l'état d'urgence, pour ce qui est plus important, ce n'est pas la même chose. Nous en avons donné la différence. J'étais en train de dire le mesure prise, parce qu'il ne faut pas confondre la loi des modalités d'application des mesures d'urgence, parce que certains ont tendance à dire qu'il y aurait violation de la Constitution parce qu'on n'a pas voté la loi. Mais si on n'a pas voté la loi, c'est vrai, là il y a un problème. Parce qu'on ne peut pas porter atteinte, l'intelligence de cela, c'est qu'on ne peut pas porter atteinte à un droit sans loi. Donc il ne faut pas confondre la loi des modalités d'application et les ordonnances présidentielles. Et donc, s'il n'y a pas eu la loi, ça ne pourra pas être mis sur le dos du président de la République. Parce que pour qu'il y ait l'état de siège, l'état d'urgence, il y a les institutions qui vont, de manière synchronisée, entrer en danse. Vous avez le président qui fait sa part, et vous avez l'Assemblée nationale et le Sénat qui doivent faire leur part. Si le Sénat et l'Assemblée nationale n'ont pas fait leur part, ce n'est pas imputable au président de la République. Et ça, je l'avais déjà dit quand Thambo Mwamba et Mabunda n'ont pas voulu convoquer leurs chambres respectives pour voter la loi. Et là, il ne faut pas confondre les ordonnances et la loi. Donc, on vote la loi des modalités d'application. Ça relève de la responsabilité de l'Assemblée nationale. C'est la séparation des pouvoirs et du Sénat. Là, il n'y a pas eu de loi. Et là, je trouve que c'est une faute. Maintenant, il y a les ordonnances qu'il ne faut pas confondre à la loi. Ça, le président de la République, lui, que ce soit pour l'état d'urgence, que ce soit pour l'état de siège, le président de la République, en tant que garant de la Constitution, a toujours fait tout ce que la Constitution lui a demandé. Mais toujours est-il que c'est curieux, l'Assemblée nationale, le Sénat du temps de Thambo Mwamba n'avaient pas convoqué. Je crois qu'il y a eu une confusion parce qu'ils confondent, on ne peut pas porter atteinte au droit sans loi. Et donc, on ne peut pas confondre la loi des modalités d'application avec les ordonnances. Très bien. Et enfin, on va terminer. Quand on prend les ordonnances qui ont été déclarées constitutionnelles au moment de l'état d'urgence, en tout cas, ne sont pas celles de l'état de siège. Donc, on ne peut pas dire, puisque la Constitution était, puisque la Cour constitutionnelle s'était déjà prononcée au moment de l'état d'urgence, mutandis, ça s'applique ici. Non, ce n'est pas sérieux. Très bien. Et enfin, ce que j'étais en train de dire, quand on dit que retarder, le terme est retardé, la clôture est retardée, et on vous dit, est retardé pour combien de temps? Elle est retardée, le temps nécessaire de voter la loi des modalités d'application. Quand on a voté la loi, c'est fini. Et puis maintenant, quand on part en congé, on est reconvoqué pour la loi de prolongation. Et là, c'est en assemblée extraordinaire avec un ordre de jour bien précis. Et donc, on ne pourra pas dire... Bon, si l'état de siège fait 10 ans, vous restez parlementaire 10 ans. Mais c'est ça que la loi fait. Donc, il n'y aura pas d'élection. Alors, on va se lever, Maître Oscar, pour terminer cette Malheureusement, émission. Nous avons pris beaucoup de temps pour la nationalité. On n'a pas parlé de la 4e République. Pourtant, j'en avais vraiment Tout ça, c'est la 4e République. Oui. La 4e République vient faire quoi? Vous prenez l'article 119. On vous dit que le Congrès s'est réuni pour proclamation de l'état de siège et l'état d'urgence. Or, c'est une erreur rédactionnelle parce que pour l'état d'urgence et l'état de siège, les deux chambres ne se réunissent pas en congrès, elles se réunissent séparément. Donc, cette rédaction-là est malheureuse et c'est ce qui avait malheureusement conduit à l'ancien président du Sénat de faire fausse route parce qu'il n'a pas compris l'intelligence de la loi, mais l'a lu de manière littérale, alors qu'on doit lire l'esprit des lois. Voilà. Donc, ça nous conduit à la 4e République. Je crois qu'on en parlera un jour suffisamment sur la question. Merci d'être venu à notre nouveau plateau. Je crois que ce n'est pas la première fois. Vous allez d'abord voyager puis revenir après.
et nous apporter plein de cadeaux quand vous allez revenir de la France. Bon, vous pouvez aussi m'accorder une interview en ligne. Pourquoi pas d'ailleurs. Désormais, oui. Tant que je ne suis pas revenu tous les mois de fin juin, juillet, tout ça. Il y aura tellement beaucoup d'actualités qu'on va trouver un moyen de le faire. Mon téléphone que vous connaissez sera ouvert. Oui, oui, oui. N'hésitez pas si jamais de l'autre côté. Vous allez saluer vos enfants français. Les fous redeviennent normaux. Qu'ils veulent un débat sérieux. On va le faire. On va le faire avec des gens normaux et non pas des gens qui disent qu'ils peuvent tuer les autres. Oui. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. Je recevais le maître Oscar Mbia. Il est avocat à Lille, au barreau de Lille. Et il est aussi, il exerce en même temps en République démocratique du Congo. Moi, j'aurai le même plaisir de vous retrouver très prochainement. Que la percute nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Hello. Lopin en bibaye la biloko lia. Bon, il y a un tabiloko etazini. On est comme un bon abonné pour Genèse. Mon etazini. Tata yoki koule la nabino. Atinde libino. Maman Samira. Ndenge aux alakan etazini. Okole à l'okola moutoisa na mombele. L'okola moutoisa na ngaba. Merci mon bouche. Wow. C'est mon bouche. Bana etazini. Kolia bio. Et komi lolenge nabino. Bona kozwa, mbisi ya koka uka, tope mafute mbila. Che mama Samira. Ata ozali na posa, yambinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebi toyo. Che mama Samira, manso mazali, eloko moko te yo koluko komonate. Nandenga vabete, pona kozwa biloko a detay. Yoka numero, numero 938, avenue Maurice, na New York. Adresse. Il y a entrepôt 12 40 Avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka. Misia koka uka. Mongusu mafute mbila. Et koko maloko la bazoka na yo. Yeah yo, kombone mama Samira. Makian bae. Yokite, au taliban faute, au moni ma maquette, au moni signature yaba contrat à toté. Seul partenaire immobilier sûr, objectif habitat Asbel, maman Moseka, Kotoyo et Komiko Sila. Et panabiso, nungu nungu ezalate. Tomanda na la île, to komi na la 7. Maman Moseka, partenaire ya sûr. Kotoyo et komi aussi là-haut. Afin que Batounion se base à la servie, Mbaloyo, Platinum, Gold, Silver. Platinum, 6000 dollars. Gold, 4500 dollars. Silver, 3500 dollars. 20 sur 20, Namaluku, Namakadam, nouvelle zone économique, Pene Pene. 400 mètres carrés, payable en 12 tranches. On a maïpé sécurité, t'en rassura. Maman Laure, maman a opportunité à Koma Nagombe, avenue Lukusa numéro 5, rond-point Forestcom. Objectif Habitat, votre objectif. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour la. Some